Il était une fois un garçon de 20 ans, semblable à des centaines d'autres garçons du même âge, qui aimait grimper et qui aimait la haute montagne. Il était né dans une grande ville bruyante, mais il rêvait de grands espaces. Il avait eu la chance de conserver intacte cette vertu, cette qualité de l'enfance qui n'a pas de nom et qui est la différence entre vivre et seulement exister. La jeunesse, pour vivre, doit avoir un grand désir. La jeunesse, c'est l'âge des grands enthousiasmes et de la générosité. Fissures, dalles, cheminées, surplomb, le jeune homme donne le meilleur de lui-même pour les gravir, tandis que monte en lui un bonheur qu'il ne connaissait pas, mais dont il sentait confusément le besoin. Le soleil déverse sa tendresse, l'air est vif, le sang bouillonne dans ses muscles, son cœur bat d'émotion. Maintenant, entre terre et ciel, sur l'extrême pointe qui a enchanté ses soirées, le jeune homme contemple. Action et contemplation, voilà l'alpinisme. Action et contemplation, jamais l'un sans l'autre. L'attrait de l'altitude ne serait pas si grand s'il n'était l'attrait du mystère. Là où les habitations, puis les arbres, puis l'herbe s'épuisent, naît un royaume stérile, sauvage, minéral. Mais dans sa pauvreté extrême, dans sa nudité totale, ce royaume de silence et de lumière dispense une joie qui n'a pas de prix, le bonheur que l'on découvre dans les yeux de ceux qu'il fréquente. Pourtant, pendant des siècles et des siècles, la haute montagne n'a été qu'un monde au-dessus du monde. Un monde interdit, fait pour loger les dragons et les mauvais génies de la légende. Les aiguilles de roc, figées comme des lances, au-dessus de la planète vivante, n'étaient que le cri aigu de la Terre vers le ciel. Pour les paysans, ce monde chaotique n'était qu'un gigantesque pavé, stérile et inutile, qui encombrait leurs plaines et leurs champs et barrait l'horizon. Ainsi, les crevasses et les séracs, les grandes carapaces de glace, les arêtes déchiquetées, les neiges éternelles, tout ce monde interdit n'inspirait que la crainte et souvent la terreur aux fragiles hommes écrasés à leurs pieds. Il y a dans ce pays, écrit le voyageur du XVIIe siècle, des montagnes d'une prodigieuse hauteur. C'est là où est celle qu'on nomme les glacières et que les habitants appellent la montagne maudite parce qu'elle est toujours couverte de neige et de glace. En effet, seul l'aigle royal planait vers le Mont Blanc. Pourtant, peu à peu, quelques voyageurs, et d'abord des Anglais, arrivèrent à Chamonix pour visiter les majestueuses montagnes qui avaient si mauvaise réputation. Quelques paysans aussi s'aventuraient parfois, cristalliers et chasseurs de chamois. Les chamois et les bouquetins, non encore traqués, non encore craintifs devant la présence humaine, venaient ingénument à la rencontre des chasseurs dont la technique était sommaire. Puis, lourdement chargés, avant l'arrivée de la nuit qui les terrorisait, les chasseurs regagnaient la vallée. Mais en 1760, un jeune savant de Genève, hors du commun, Horace Bénédicte de Saussure, à la révélation du Mont Blanc, il va devenir le promoteur de la conquête.
Après bien des tentatives, deux hommes, le docteur Paccard et le cristallier Jacques Balmat, réussissent en 1786 la grande première, la première ascension du Mont Blanc. Enthousiasmé, malgré son âge, 47 ans, le savant lui-même part à son tour. Il vint enfin ce moment si désiré, écrit Saussure, et je me mis en marche le 1er août 1787, accompagné d'un domestique et de 18 guides. La longue caravane emporte un matériel considérable, des baromètres, des hygromètres, des lunettes, des boussoles, des boîtes à mercure et même une table de logarithme et Horace. Finalement, après un bivouac au grand plateau, toute cette petite armée scientifique atteint le sommet si désiré. Puis c'est la descente. D'abord joyeuse, elle devient délicate et plus d'une fois le savant fatigué termine sa glissade assis dans la neige. L'ascension de Saussure a un retentissement considérable. Dans les milieux cultivés, on en parle dans l'Europe entière et la voie tracée par les pionniers va être largement suivie. Désormais, les voyageurs n'emportent plus le baromètre, mais leur carnet de croquis, ce qui nous vaut de chaque ascension des interprétations inattendues, cocasses ou délicates. Les Anglais sont les plus ardents pour aller au Mont Blanc, mais il y a aussi des Allemands, des Américains, des Autrichiens, des Suisses, des Français, des Hollandais, des Italiens et des Russes. Les fragiles ponts de neige et le sommet même du Mont Blanc sont merveilleusement idéalisés. Après les hommes, les femmes aussi sont tentées par le mystère de l'altitude. Et finalement, en 1838, Henriette d'Angeville devient la fiancée du Mont Blanc. Elle a réussi l'ascension, elle publie son carnet de voyage. Elle devient un exemple et de nombreuses femmes de tous les pays vont rêver de montagne sans pour autant oublier leur toilette. Délaissant le Mont Blanc, gravi une centaine de fois en 1856, le comte Fernand de Bouillet, après une escalade délicate et un bivouac en haut de la Vallée Blanche, réussit la première ascension de l'aiguille du Midi. Mais désormais, la cime qui va cristalliser tous les désirs, c'est le Cervin, l'invincible Matterhorn. L'homme qui croit à la conquête est un dessinateur anglais, Edward Whymper. Jean-Antoine Carrel, guide à Val-Tournanche, désire lui aussi faire la première ascension de la montagne qui domine sa vallée natale. Parfois ensemble, souvent séparément, les deux hommes multiplient les tentatives. Une fois, Whymper tombe dangereusement, et bien souvent, c'est la tempête qui oblige soit l'anglais, soit l'italien à renoncer. Mais en 1864, Whymper rencontre un grand guide, Michel-Auguste Croz, doué d'une force prodigieuse et d'abord d'une droiture exceptionnelle. Croz écrira à Whymper qu'avant d'être alpiniste, il faut être homme et tenir parole. Finalement, une cordée de sept, bien lourde, quitte Zermatt, dirigée par Whymper et conduite par Michel Croz, et le 14 juillet 1865 réussit la grande première. À 1h40 de l'après-midi, écrit Whymper, le monde était à nos pieds, l'invincible Cervin était conquis. Mais peu après, cette grande victoire devient une terrible catastrophe. Au cours de la descente, 4 des 7 alpinistes tombent dans la face nord et se tuent. Whymper et les deux Tocqueville sont les seuls survivants. Au cours de la descente, dans la brume, ils aperçoivent le spectre que Whymper dessinera. Un instant de négligence peut détruire le bonheur de toute une vie, dira Whymper, qui désormais connaît une profonde tristesse. Avant de quitter Zermatt, Whymper rédigera lui-même l'épitaphe de la tombe de Croz, épitaphe qui résume les meilleures qualités d'un guide et d'abord d'un homme. Aujourd'hui, avant d'entreprendre nous-mêmes l'ascension du Cervin, nous méditons devant ces paroles.
Mon compagnon, Paul Bélier, que j'ai déjà conduit sur bien des sommets, désire faire l'ascension et même la traversée du Cervin. Monter par l'arête suisse du Hornli, bivouac au sommet même du Cervin, descente par l'arête italienne du Lion. De Zermatt, nous allons coucher à la cabane du Hornli, située au pied même du Cervin, à 3260 mètres d'altitude, juste en bas de l'arête du Hornli. Le lendemain matin, ou plutôt encore en pleine nuit, nous sommes déjà sur pied. En montagne, bien sûr, il y a la joie de grimper. Mais avant cela, il y a la joie de participer au grand spectacle, aux grandes choses de la nature. Puis, nous commençons l'ascension. Sur notre droite, au fond, c'est un des grands 4000 du massif du Valais, la Dent Blanche. Le Cervin, lui, occupe une position privilégiée. Il est seul, isolé, individualisé, au centre du massif. Alentour, mais à distance, des autres grands 4000 de la région. Paul Bélier et moi-même, nous sommes heureux de grimper, mais au Cervin en particulier, le plaisir n'est pas limité à la seule escalade. Plus qu'une ascension, c'est un pèlerinage. Le Cervin, c'est d'abord un nom qui résonne dans notre cœur. C'est la montagne historique par excellence. Sur ces rochers, les fondateurs de notre famille, la famille des montagnards, ont tracé la voie, et nous pensons à eux comme l'on pense à des grands-pères, à la fois durs et généreux. À 3920 mètres d'altitude, contre cette grande dalle qui fait un peu surplomb, un peu abri, il y a encore deux poutres, dernière trace des premiers campements des pionniers. Maintenant, une centaine de mètres au-dessus, à 4000, se trouve le petit refuge Solvay, posé là sur l'étroite arête, et qui est utilisé en cas de secours, de mauvais temps ou d'accident. On fait l'ascension du Cervin pour bien des raisons, mais d'abord parce qu'il est le Cervin. Il ne faut pas le gravir dans l'espoir de faire une intéressante escalade, souvent le rocher est mauvais. Et après avoir gravi la pente de neige qui conduit à l'épaule, quand on arrive à la tête du Cervin, le rocher devient meilleur, mais il est alors parcouru par des câbles. Non, gravissant le Cervin, il faut au fond de soi-même se laisser conduire par le charme de cette cime enchantée. Et si, un court instant, on pense à l'escalade proprement dite, on peut aussi se rappeler qu'ici, sans câble, sont passés Michel Croz, Whymper et leurs compagnons lors de la première ascension. Tout en bas, c'est le glacier du Gorner. Au fond, le Mont Rose, l'Iscam, Castor, Pollux, le Breithorn. Lentement, comme pour retarder notre arrivée, nous gravissons les tout derniers mètres qui nous conduisent au sommet suisse. Certes, de me trouver une nouvelle fois sur cette cime, j'en suis heureux, mais bien plus en pensant au bonheur de mon compagnon. Le Cervin a deux sommets, le sommet suisse et le sommet italien, reliés l'un à l'autre par une crête fort aérienne coupée d'une brèche, dans laquelle se trouve la croix qui rappelle la difficile conquête. Par cette crête, dominant de part et d'autre, face sud et face nord, gouffre et précipice, nous allons maintenant vers le sommet italien. L'air est pur, quelle paix en ces lieux!
Mais le soir n'est plus bien loin et déjà nous pensons notre bivouac. 10 mètres sous le sommet italien se trouve une petite plateforme accrochée là comme un balcon en plein ciel. Là, nous allons passer la nuit. Nous désirons bivouaquer afin de tout connaître de notre montagne et plus tard d'entendre dans la nuit les pulsations de sa vie. Ne pas se contenter de passer, monter au sommet plus ou moins vite, descendre de même, mais demeurer un peu sur la cime enchantée. Dans les vallées, l'ombre gagne. Ici, à 4470 mètres d'altitude, nous recevons les dernières tendresses du soleil. Nous sommes seuls. Dans la journée, il n'est pas rare de trouver une centaine de personnes au sommet du Cervin. Certains jours, je l'ai vu. Mais le soir, la prestigieuse montagne retrouve ses vraies dimensions, sa merveilleuse solitude, son incorruptible silence, et le mystère vient à nouveau l'habiter. Nous finissons de nous installer. De combien de peines et de privations, de semblables moments, ne dédommage-t-il pas, écrivaient les pionniers. L'âme s'élève, les vues de l'esprit semblent s'agrandir, et au milieu de ce majestueux silence, on croit entendre la nature et devenir le confident de ses opérations les plus secrètes. Le lendemain matin, loin, loin à l'est, une grande fête se prépare. Le retour du soleil qui redonne la vie. Au nord, tout au fond, c'est le massif de l'Oberland bernois. En avant, le Weisshorn, le Zinalrothorn, l'Obergelbelhorn, la Dent Blanche. Entre les deux massifs, la vallée du Rhône, comblée par les brumes. À l'ouest, au fond, le massif du Mont Blanc et en avant, la Dent des Rhins, quand nous allons commencer la descente par l'arête italienne afin de poursuivre la traversée du Cervin. Sur l'arête italienne du Lion, comme sur l'arête suisse du Hörnli, des câbles facilitent l'escalade, à la montée comme à la descente. Et même un peu plus bas, il y a une véritable échelle, l'échelle Jordan, qui permet de franchir une dalle en rocher compact et un peu en surplomb. Puis, un nouveau câble conduit au col Félicité, d'où par la galerie Carrel, du nom du pionnier du Cervin, par l'arête italienne. Et désormais, nous pensons à ce grand caractère, à ce grimpeur exceptionnel qu'était Jean-Antoine Carrel. Puis, par l'enjambée, encore un passage historique, nous atteignons la crête du pic Tyndall, ou épaule ouest du Cervin. En moi-même, je pense, le Cervin est une très belle montagne.
Mais ce qui l'embellit encore, c'est l'amour que les fragiles hommes lui ont porté. Ce qui embellit un tas de pierres, une pente de neige, c'est le sourire qui est dans notre cœur. Un instant nous apparaît le même phénomène atmosphérique qui s'était présenté dans la brume aux trois survivants le jour de la première ascension, peu après la catastrophe, et que Whymper avait dessiné. Puis nous arrivons au refuge Luigi Amedeo, construit par le club alpin italien, en un lieu d'une sauvage grandeur, juste au-dessus du col du Lion. À droite, un sinistre couloir plonge sur le glacier de Tiefenmatten. À gauche, des pentes moins inhospitalières permettent heureusement de poursuivre la descente. Maintenant, nous sommes tout en bas de la descente, à quelques pas seulement du sentier, là où le 26 août 1891, Jean-Antoine Carrel est mort, et nous pensons à lui. Quelques jours auparavant, le 23 août 1891 précisément, Carrel voulait gravir encore une fois sa montagne dont il avait fait la conquête par l'arête italienne 25 ans plus tôt. Avec Gore et Sinigal, il est parti, les trois montagnards sont allés coucher à la cabane de la Grande Tour. Mais dans la nuit, une violente tempête s'est levée, les bloquant au refuge la journée qui a suivi et encore la nuit d'après. Le froid était si glacial qu'ils ont dû brûler jusqu'au banc du refuge pour se réchauffer un peu. Ils ont épuisé leurs provisions. Le surlendemain, ils doivent tenter une descente. Au cours de la descente, plus d'une fois, le vent a failli les basculer. Admis suffoqués dans la tempête, les trois hommes sont exténués. Pourtant, Carrel tient encore fermement la corde et dirige la caravane malgré la visibilité de plus en plus réduite, malgré la nuit qui approche. Maintenant, ils sont arrivés. Goré, qui descend le premier, n'est plus qu'à quelques pas du sentier, des gazons, des pâturages, lorsque tout à coup la corde se tend entre Sinigaglia et Carrel. La corde ne vient pas, là-haut Carrel ne bouge plus. Il a lutté jusque-là pour amener ses compagnons. Maintenant, ses compagnons n'ont plus besoin de lui. Il peut mourir. Un jour, un alpiniste, passant devant la croix, avait demandé à son guide si Carrel était vraiment tombé en cet endroit. Tout de suite, le guide avait répondu que non, parce que Carrel n'est pas tombé, il est mort. Paul Bélier et moi-même avons repris la descente dans les pâturages, et maintenant, je le sens, mon compagnon réfléchit. Cette ascension, pour lui, n'est pas une ascension comme les autres. Il réfléchit et il me dit, « La montagne m'a beaucoup donné dans la vie. Vous le savez, je n'ai qu'un fils, il a 15 ans et je crains malgré moi de trop le gâter. J'hésitais car je sais que parfois la montagne est dangereuse. Mais d'un autre côté, je crois qu'il est d'abord important que mon fils sache que c'est seulement d'un effort qu'on tire un plaisir durable, une vraie satisfaction. Alors emmenez-le, faites-lui découvrir les beautés de l'altitude. » Et c'est ainsi que quelques jours plus tard, revenu dans le massif du Mont-Blanc, je partais avec Jean-François.
En fin de journée, nous allions coucher au vieux refuge du couvercle situé sous cette grosse dalle. Un moment, nous allions ranger nos affaires, nous reposer un peu. Puis, à la nuit, nous allions assister, ou plutôt participer, au coucher du soleil face aux grandes Juras. Le refuge du couvercle se trouve situé dans le plus beau cirque de montagne de tout le massif du Mont Blanc. Le lendemain matin, par les portes de glace, nous pénétrions sur le haut du glacier. Désormais, je dois montrer à Jean-François ce qu'il y a de plus beau entre terre et ciel. Pour lui, en haute montagne, je dois composer une action virile, une action qui soit belle et qui le prenne. Et tandis que silencieusement il me suit, en moi-même je pense, j'ai un métier merveilleux, mais parfois, il est si difficile d'atteindre le cœur d'un adolescent. Je ne dis rien, j'ai peur de casser le silence par un mot maladroit et inutile. Je sais bien que ce n'est pas avec des phrases que l'on convainc un enfant et que l'on gagne sa confiance et son amitié. Mais comme un jardinier montre son parc, je montre à Jean-François ce monde de cristal que son père et moi avons si souvent parcouru. Techniquement, il n'y a pas de problème. Jean-François est un garçon solide, sportif et réfléchi. Par le ski qu'il pratique chaque hiver, il a l'habitude de la neige. Et puis pour les enfants, grimper est un instinct. Même les tout jeunes enfants grimpent volontiers aux arbres, aux fenêtres, aux murs. Plaisir d'escalader, plaisir de découvrir, de voir plus loin et de plus haut. N'est-ce pas là au fond ce que les grandes personnes appellent l'alpinisme ?
Avec courage, avec calme, Jean-François affronte toutes les difficultés et j'apprécie que déjà il soit maître de son équilibre physique et moral. Il ne s'agit pas d'aimer les choses dangereuses. Devant un danger, par exemple, on apprend peu de choses. Devant la foudre, on fuit si on le peut. Il ne s'agit pas de jouer bêtement avec sa vie. C'est seulement devant un obstacle, devant une difficulté, que le jeune homme donne sa mesure et s'épanouit. Les montagnards aiment la beauté, l'amitié et la vie, pour laquelle ils ont du respect, et non le goût du risque, bête, facile, et comme empoisonné. Son père m'avait prévenu, Jean-François n'extériorise pas sa joie, mais dans le silence il réfléchit, et s'il continue, c'est que secrètement il est conquis. Cette confrontation secrète entre Jean-François et le monde qui l'environne est d'une sobre grandeur. Certes, la haute montagne est belle, mais pour l'instant, elle est d'abord un cadre exceptionnel pour l'apprentissage de la vie. De crevasses en sérac, de murs de glace en dalles de rocher, de ponts de pierre en arêtes de neige, nous avons, Jean-François et moi, réussi notre ascension, construit notre montagne. Maintenant, la toute dernière pente nous conduit au sommet. Face aux plus hautes cimes, non seulement du massif du Mont-Blanc, mais de toutes les Alpes, là-haut, à plus de 4000, Jean-François maintenant a bien gagné le droit de contempler à perte d'horizon. Avec Maurice Baquet, j'avais déjà fait bien des ascensions. Ensemble, nous avions fait un film, Étoiles et Tempêtes. Maintenant, nous voulions faire une belle première, la première ascension de la face sud de l'Aiguille du Midi. Nous sommes partis, Maurice est toujours un joyeux compagnon. Mais il sait que l'ascension sera difficile, qu'il s'agit d'une première, et tout de suite il devient le compagnon sérieux et solide sur lequel je sais pouvoir compter entièrement. Dès le début, la paroi est verticale et après deux longueurs de corde, nous venons déjà buter sous un gros surplomb. Par la droite, il serait possible de contourner le surplomb, mais au-dessus, il n'y a pas de continuité et je dois revenir. Je pense aux pionniers, ils avaient du mérite. Mais aussi de la chance. Il est tellement extraordinaire d'être dans une paroi vierge et de chercher et de trouver et de tracer son chemin.
Quand j'étais un jeune grimpeur, j'éprouvais un vif plaisir venant directement de l'escalade proprement dite. Mais depuis que je suis guide, depuis 25 années, j'ai compris peu à peu que le guide devait d'abord grimper pour le plaisir de la personne qu'il conduisait et la conduire là où elle le souhaitait. Ainsi, grimper me plaît toujours, mais pour moi maintenant, bien souvent, la haute montagne est d'abord prétexte à l'amitié. La beauté des paysages, des rues de joie de l'escalade serait sec et parfois amère sans l'amitié de la corde. La corde est un lien matériel, mais bien plus que cela. Amitié fraternelle, faite de gentillesse, de dévouement, de combats menés ensemble et de joie partagée. Je grimpe en premier parce que c'est mon métier et que je suis fait pour cela, mais Maurice est autant de la cordée que moi. À tour de rôle, nous élevons le long de cette paroi si belle. Nos mouvements précis et efficaces s'enchaînent et nous procurent une paix et même une allégresse intérieure. Face au miroir de pierre verticale, le balai est bien réglé, la cordée est à sa place. Avant d'escalader une dalle, une fissure, une cheminée, l'alpiniste la regarde, la mesure loyalement, il en étudie les secrets, qualités et défauts, et il y a dans cette conversation quelque chose de très prenant, comme une parenté retrouvée. Une difficulté, c'est une question, les gestes pour l'escalader, une réponse. Après 10 heures d'escalade, nous avons gravi le mur de dalle haut de 200 mètres et rejoint ce dièdre. Nous allons le remonter sur 2 longueurs de corde et par ce dièdre, nous allons arriver à la petite épaule qui est juste sous le sommet. Et le sommet, c'est une magnifique flèche de granit. De la petite épaule, il faut faire une légère descente pour gagner les feuillets qui parcourent la dalle du bloc sommital sur son côté droit, et par ces feuillets, on arrive au sommet. Là, Maurice est heureux, et moi avec lui. Aussi curieux que cela puisse être, la face sud du sommet sud de l'aiguille du Midi était vierge, nous venons d'en faire la première ascension, alors qu'à seulement une centaine de mètres de là, au sommet nord de l'aiguille du Midi, nous allons retrouver la foule des touristes, car c'est au sommet nord de l'aiguille du Midi qu'aboutit le téléphérique. Nous prenons le téléphérique pour revenir dans la vallée. Durant l'été, le guide n'y est guère dans la vallée. Il fait de temps en temps une rapide apparition, et à peine arrivé, il repartira aussitôt. Mon ami Aroun Taziev est là à la maison.
Notre même amour de l'aventure, notre même façon de la comprendre, nous a depuis longtemps rapprochés, et Taziev est là pour réaliser un projet auquel il songe depuis bien longtemps, la grande traversée du Mont Blanc. Aller coucher au refuge de Tétrousse, et le lendemain commencer par l'ascension de la face nord de l'aiguille de Bionacé. Par cette face nord gagner les crêtes, et les suivre en passant ensuite au col de Bionacé, au dôme du Goûter, au col du Dôme, pour gagner le sommet du Mont Blanc, et là, passer la nuit dans un igloo. Le surlendemain, poursuivre la traversée par le col de la Brinve, le Mont Maudit, le col Maudit, le Mont Blanc du Tacul, le col du Midi. Et du col du Midi, continuer cette grande traversée glaciaire en descendant la vallée blanche, puis la mer de glace qui se déroule derrière toute la chaîne des aiguilles de Chamonix, derrière l'aiguille du Midi, derrière l'aiguille du Plan, le groupe Caïman-Cocodile, le groupe Chevalier-Lépiné, les Blétières et Charmeau-Greffon. Ainsi, de Tétrousse au montant vert, il s'agit d'une très belle et très longue course de glace, et au fond, mon ami Taziev, qui est un volcanologue, rêve souvent de neige et de glace. De Chamonix, nous sommes allés aux Ouches, de là à Bellevue puis au Nid d'Aigle, et maintenant nous montons coucher au refuge de Tétrousse. En fin de journée, nous arrivons au refuge de Tétrousse, à 3160-165 mètres d'altitude. Là, nous allons passer la nuit. Ou du moins une partie de la nuit. Le lendemain matin, lorsque le jour se lève sur la face nord de l'aiguille de Bionacé, haute de 1000 mètres, nous sommes déjà sur le glacier. En pleine nuit, nous avons quitté le refuge, nous sommes déjà sur le glacier. Minuscule bonshomme parmi les cubes de glace. Peu à peu, la pente se redresse, et nous voilà maintenant dans la face nord de l'aiguille de Bionacé proprement dite. C'est un vaste glacier qui descend en cascade du sommet de l'aiguille, formant ces grandes tranches de glace coupées de profondes cassures. Taziev a une très bonne pratique de la haute montagne, c'est d'ailleurs l'alpinisme qui l'a conduit ensuite vers les volcans. Un seul ennui, un pied blessé sérieusement il y a 10 ans, et qui, sans une grande volonté, serait vite devenu paralysé. Sur terrain plat, ce pied blessé le gêne, sur pente forte avec des crampons, cela l'handicape sérieusement. Mais Garouk est heureux d'être là, il ne dit rien, il a d'ailleurs très bien marché, il est encore très tôt, vous voyez combien les ombres sont encore fort allongées lorsque nous atteignons le sommet d'aiguille de Bionacé, à 4050 mètres. Jusqu'à présent, nous avons gravi une face, une grande paroi de glace. Maintenant, nous allons suivre une crête de neige très belle, très aérienne, frontière entre la France et l'Italie, une merveilleuse et irréelle frontière. De part et d'autre, un millier de mètres plonge sur les deux vallées. L'air est vif, il fait même assez frais, mais nous ne nous en plaignons pas, le froid en altitude promet le beau temps. Du sommet de l'aiguille de Bionacé, la crête descend d'abord légèrement sur le col de Bionacé pour remonter ensuite au Dôme du Goûter, puis au Mont Blanc. Et là, peu avant le col de Bionacé, nous avons reconstitué un accident tel qu'il était arrivé exactement en cet endroit. La neige était mauvaise, les crampons bottés, le second avait glissé. Nous avons reconstitué cet accident afin que vous puissiez voir la parade.
Si j'étais resté sur la crête, vraisemblablement, d'un coup, au moment du choc, j'aurais été arraché. La meilleure solution était que je saute de l'autre côté, ainsi j'ai pu bloquer la chute de mon camarade. Kaziev s'arrête, se redresse, s'assure à son piolet. Ce qui est curieux et presque paradoxal, c'est que d'une part, l'alpinisme est un sport lent. C'est peut-être le plus lent de tous les sports. Et dans quelques cas, d'un coup, il devient un sport extrêmement rapide. Une chute en montagne dure l'espace d'un éclair et se déroule dans un grand silence. La chute de Taziev arrêtée, j'ai alors pu remonter sur la crête et de là, je l'assure, tandis qu'il va me rejoindre. Nous sommes heureux de nous retrouver, Garouk et moi, car tout compte fait, lorsqu'il s'agit d'un accident, on n'a pas le choix. Tandis que là, pour la reconstitution de l'accident, il fallait quand même bien que nous décidions à sauter presque en même temps l'un et l'autre, de part et d'autre. Nous avons repris notre montée par cette crête très belle, très aérienne, qui du col de Bionassé va nous conduire au Dôme du Goûter, puis au Mont Blanc. Et en approchant du sommet du Mont Blanc, comme du sommet du Cervin, ces montagnes historiques, inévitablement, on pense aux pionniers et à leurs récits qui ont enthousiasmé notre jeunesse. Gravissant le Mont Blanc, le grand alpiniste anglais Mallory, qui devait disparaître à l'Everest en 1924 et déjà ayant atteint 8500 mètres, mais gravissant d'abord le Mont Blanc, Mallory a écrit... Une bise fraîche et vivifiante semblait devenir plus forte, comme il foulait les longues pentes, plus douces, à mesure qu'il approchait du but. Il sentit le vent souffler autour de lui avec sa vieille et étrange harmonie. Ses pensées devenaient moins conscientes, moins continues. Il écoutait, plus qu'il ne pensait ou sentait. Il écoutait des voix lointaines, à peine modulées. Le dôme majestueux du Mont Blanc reposait sur ses merveilleux contreforts, solides et fins, au-dessus des abîmes de glace, des tours et des aiguilles, lieu vers lequel tend le désir et où s'apaisent les aspirations. Infiniment haut, exquis, lieu de paix, d'initiation. Une expérience passée lentement au crible merveilleux pour qu'il n'en reste que l'essentiel. Que pouvait-il rester de plus que ce savoir infini? L'effort a-t-il valu la peine qu'on s'est donné? On doit vaincre, réussir, gagner le sommet. Il faut connaître la fin pour savoir qu'on pourra y arriver, qu'il n'est pas de rêve qu'on ne puisse tenter de réaliser. Est-ce là le sommet qui couronne la journée, comme il est frais et calme? Nous n'exultons pas, mais nous sommes ravis et joyeux, gravement étonnés. Avons-nous vaincu un ennemi? Aucun, sauf nous-mêmes. Avons-nous gagné un royaume? Non. Et si pourtant? Nous avons atteint une satisfaction complète, accompli une destinée. Nous avons dépassé le refuge Valo, situé au col du Dôme, sans même nous y arrêter, car mon compagnon ne voulait pas dormir dans un refuge, mais dans un igloo au sommet du Mont Blanc. C'est une idée un peu enfantine, mais aussi une idée merveilleuse, au sens propre total du mot, dormir dans un igloo au sommet même du Mont Blanc. Garouk bâtit, moi je lui apporte les blocs. À cette altitude-là, c'est un travail assez fatigant, mais c'est aussi un jeu. Nous devions garder nos gants bien secs pour la nuit. Sans rien dire, au fond de moi-même, cela m'amuse de voir Taziev, ce volcanologue, ce scientifique, jouer comme un enfant à tailler des blocs de neige, à construire sa maison dans un paysage de rêve. Mais au fond de moi-même, je pense que Taziev a raison. Je pense que bien souvent, les hautes montagnes aident les hommes à réveiller en eux des rêves endormis. Un dernier gros bloc qui va faire clé de voûte.
L'igloo est terminé. En dessous, Taziev est prisonnier. Avant de s'endormir, il faut encore gratter la neige incrustée dans les reliefs des semelles vibrantes, puis tenir les chaussures contre son corps, bien au chaud, pour éviter qu'elles gèlent. À l'intérieur de l'igloo, il fait zéro. Dehors, au sommet du Mont Blanc, il fait entre moins 15 et moins 20. Le lendemain matin, à travers les parois de l'igloo, on devine le retour du jour. Il est alors facile de tailler une nouvelle ouverture face au soleil. Le sommet du Mont Blanc est bien le plus haut, c'est le premier à être touché par les rayons du soleil. Nous rangeons notre matériel, la pelle, le couteau, qui ont servi à construire l'igloo, les cagoules, les duvets, puis nous allons poursuivre la traversée du Mont Blanc. Mais l'igloo, nous ne les quitterons qu'avec regret. On ne quitte jamais volontiers le toit que l'on a construit et qui vous a protégé. Du sommet du Mont Blanc, par le mur de la côte, nous descendons maintenant sur le col de la Brinve. Et le col de la Brinve, c'est l'endroit le plus vanté de tout le massif du Mont Blanc. C'est le vent qui a construit, sculpté ces immenses corniches, plissé la pente. C'est le vent aussi qui a creusé toutes ces vagues dans la paroi du Mont Maudit. Sur l'autre versant, la descente du Mont Maudit est raide, mais la neige est bonne, et Garouk descend en toute sûreté. Il y a une quarantaine d'années, était publié un livre excellent dont le titre était « Petits hommes, grandes montagnes ». Mais depuis une quinzaine d'années, depuis que l'exploit a été mis tellement en avant, et pourtant l'exploit n'est que l'exploit, bien souvent les adjectifs ont été inversés. Mais au fond de nous-mêmes, nous savons tout à fait bien que nous restons de tout petits hommes face aux grandes montagnes. Nous traversons maintenant le Mont Blanc du Tacul pour gagner le col du Midi. Et le col du Midi, c'est cet immense, ce très vaste plateau glaciaire. Le col du Midi marque le haut de la vallée blanche. Peu après, d'ailleurs, nous allons croiser la première caravane venue d'Italie, du refuge Torino. Le haut de la vallée blanche est constitué par le glacier du géant et le bas par la mer de glace, dont vous allez voir les anneaux. Les anneaux sombres correspondent aux étés, les anneaux clairs aux hivers. C'est du moins la seule explication donnée par certains glaciologues. Depuis que nous avons quitté le refuge de Tête Rousse, il y a toujours continuité par cette immense carapace de glace qui, sur plusieurs dizaines de kilomètres, couvre tout le massif, coiffant l'aiguille de Bionacé, le Dôme du Goûter, le Mont Blanc, le Mont Maudit, le Mont Blanc du Tacul, le Col du Midi, et se prolongeant par la Vallée Blanche, puis la mer de glace.
De la mer de glace, nous allons remonter le sentier du Montant Vert. C'est un sentier fort agréable, mais à vrai dire, nous n'y prêtons guère attention. Nous le suivons presque en courant, car depuis deux jours, nous avons tellement soif. Contre la gare du Montanvert, il y a une plaque d'escalade. Là, nous retrouvons Christian Mollier et Pierre Créton qui s'entraînent en nous attendant. Pierre Créton est un jeune guide suisse du massif du Valais, de Martigny exactement. Quant à Christian Mollier, il est aspirant guide à Chamonix. Tous les quatre, ensemble, nous allons prendre quelques instants de repos à la terrasse du Montanvert. Et le Montanvert, c'est le carrefour des alpinistes. Ici, constamment s'entremêlent les merveilleux souvenirs et les grands projets. Le guide, à peine rentré avec une personne, va repartir avec une autre, et cela parfois même sans descendre dans la vallée à Chamonix. Pour ma part, à peine arrivé avec Garouk, je vais repartir avec Christian et Pierre. Le petit train ramène Taziev à Chamonix. Nous, nous allons monter vers les Drues. Et les Drues, c'est une très belle montagne, c'est un magnifique jet de pierre qui domine la mer de glace, droit en face du Montanvert. Et la voie la plus belle pour atteindre le sommet des Drues, c'est le grand pilier sud-ouest. C'est un grand pilier de granit haut de 800 mètres qui domine un couloir de neige haut de 400 mètres. Nous allons franchir la rimée, c'est cette cassure dans la pente de neige qu'on appelle rimée, puis pendant plusieurs heures nous élever dans ce couloir qui est sinistre parce qu'il est à la fois très raide et fort encaissé. Nous nous dépêchons le plus possible pour traverser ce couloir qui canalise les pierres, et nous sommes tellement absorbés par cette escalade délicate que nous n'avons pas vu que de mauvais nuages venaient du bas de la vallée. Le temps, si beau jusqu'à présent, voudrait-il changer ? Dès les premières longueurs de corde, l'escalade est extrêmement difficile. Dès les premières longueurs de corde et durant toute l'ascension, nous penserons à Bonatti qui seul, en 6 jours et 6 nuits, a réussi la première ascension de ce grand éperon. Après 6 longueurs de corde de 30 mètres chacune, nous arrivons à la grande terrasse. C'est la seule vraie plateforme de toute l'ascension. En dessous de nous, il y a un peu moins de 200 mètres de paroi. Au-dessus, un peu plus de 600. Vous connaissez sans doute cette définition de la perfection. La perfection, c'est quand il n'y a plus rien à retrancher. Par la pureté de son style, c'est presque le cas au pilier des Drues. Au-dessus de la grande terrasse, on s'élève par quelques cassures qui sillonnent les dalles. Au-dessus de la grande terrasse, il n'y a plus de plateforme, seulement de temps en temps, pas bien souvent, un léger gradin.
Pour gravir des parois comme le pilier des Drues, heureusement qu'existe la technique. La technique résout les problèmes et apporte aussi des satisfactions. Mais la technique n'est qu'un moyen. Elle reste pauvre si on la sépare de l'esprit qui la guide en montagne et ailleurs. Le long de cette paroi idéalement belle, sur ce rocher si vertical, si franc, si solide, nous connaissons la joie de l'escalade. Mais là encore, le grimpeur, s'il ne grimpait que pour grimper, risquerait d'oublier le nom qui a chanté dans son cœur, et même en arrivant au sommet, il n'arriverait nulle part. Mais par bonheur, dans le cœur de chaque homme, il y a toujours une parcelle sensible qui a commandé un apprentissage fervent et passionné avant qu'il ne devienne efficace et soit une forme de beauté. À la fin de la première journée d'escalade, nous arrivons en haut des grandes dalles. Là, nous allons bivouaquer. Christian, puis Pierre me rejoignent. Christian encore à chaque longueur de corde, je le retrouvais, mais Pierre, troisième de la cordée, depuis ce matin, je ne l'avais plus vu. Le temps autour de nous maintenant est bien mauvais et nous avons l'impression d'être pris. Mais lorsque le temps devient mauvais autour de nous, le paysage devient extraordinaire. Elle est belle dans le ciel, la grande bagarre des vents. C'est le mauvais vent, le vent d'ouest, qui ramène ses nuages et qui prend le dessus sur le vent du nord. Le moins mal possible, nous nous installons pour bivouaquer. Nous sommes restés encordés, nous sommes accrochés au rocher par la corde fixée à des pitons, comme un tableau est accroché contre un mur. À côté de moi, Christian et Pierre. En additionnant leur âge, cela fait à peine un peu plus que le mien. Maintenant, la nuit descend sur nous. Assis côte à côte, le dos à la paroi, les rochers de la terre nous font comme un berceau. Dans notre cœur, nous tenons tout le ciel, tandis que la nuit et par chance le grand froid viennent sur nous. Par chance, le vent du nord reprend le dessus sur le vent d'ouest. Le vent du nord ramène le grand froid, mais aussi, parallèlement à cela, le lendemain matin ramène le grand beau temps. C'est encore très froid, le rocher est glacial, mais sans tarder nous avons repris l'escalade, car au bivouac nous n'avions gravi que la moitié de la hauteur de la paroi, et c'est au-dessus du bivouac que se trouvent les longueurs de cordes les plus dures de toute la course.
Les guides qui m'ont enseigné m'ont toujours dit « grimpe d'abord avec la tête ». Rends-toi toujours compte de ce que tu veux faire et de ce que tu peux faire. L'alpinisme est avant tout une question de conscience. Souvent, une ascension est née d'un rêve, d'un désir spontané, parfois irraisonné. Un joli nom, une forme, une allure, une histoire, un souvenir, et nous voilà à l'encre d'un sommet. Mais vient le temps où le projet doit devenir un calcul, le rapport précis entre le but et les moyens d'alpiniste. De ce rapport découle la décision. L'alpiniste doit toujours se rappeler cette formule déplaisante à énoncer dans sa sécheresse, mais capitale car elle conditionne le départ. En cet instant, plus de charme dans ce monde enchanté, plus de poésie dans cet univers poétique. D'un froid calcul dépendent la vie de l'alpiniste et celle de ses compagnons. Mais qu'il est beau ce dialogue intime entre le guide et les forces de la nature. Christian et Pierre ont tout à fait bien grimpé. Pour faire cette course difficile, j'étais heureux qu'ils soient avec moi. Être guide consiste aussi à installer les jeunes guides et les aspirants guides dans le métier. C'est la tradition et nous aimons les traditions. Dans le métier de guide, il faut deux choses, de la technique et de l'amour, mais d'abord de l'amour. Et je pense encore au fond de moi-même, grimper c'est secondaire. Ce qui est important, c'est le guide qui naît dans le grimpeur au cours de l'ascension. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. C'était vrai pour Saussure, pour Whymper. C'est vrai pour nous également. Au sommet des Drues, sur ce carré de pierre nue, nous sommes pauvres. La nourriture qui nous reste est sèche et nous n'avons plus rien à boire. Nous sommes pauvres et riches.
riche de choses qui ne s'achètent pas, de choses qui n'ont pas de prix. Le père de Christian, Firmin Mollier, guide de Chamonix, m'a autrefois enseigné mon métier. Aujourd'hui, son fils est avec moi. Pierre Créton est suisse, mais au sommet des Drus, il n'y a pas de frontières. Gravir le pilier des Drus, c'est l'ascension dont rêvent les meilleurs des jeunes grimpeurs. D'une part, les Drus ne sont-ils pas la flèche de granit d'une beauté et d'une pureté idéales? D'autre part, le pilier sud-ouest des Drus n'est-il pas la course de rocher non seulement la plus difficile, mais d'abord la plus dure? Celle où pour réussir, il faut donner le meilleur de soi-même, non seulement techniquement, mais d'abord moralement. Ce que je sais, je l'ai payé son prix, disait Kipling. Aujourd'hui, Christian et Pierre peuvent donc connaître un grand bonheur. Quant à moi, une fois de plus, j'ai vérifié qu'au fond, un sommet était bien plus beau lorsqu'on le regardait dans les yeux de ses compagnons de cordée. Ainsi, le jeune garçon que vous avez vu grimper au début a réalisé son désir. Il est devenu guide. Il a fait un peu plus de 1000 ascensions. Si souvent il a contemplé le ciel, si souvent il s'est endormi sous la pèlerine d'étoiles. Maintenant, la montagne est son domaine. Et pourtant, chaque fois qu'il en franchit les grilles, invisible, mais qu'il sent fort bien, il a toujours un léger tressaillement. Quand bien même il aurait gravi tous les sommets, par tous les itinéraires, il ne connaîtrait jamais tout, tout à fait, de ce monde qu'il aime, il sera toujours en marche. Et là-haut, la montagne lui a donné un secret, le voici. Garde toujours le regard d'un enfant, garde toujours l'esprit des pionniers, car pour bien voir, il ne suffit pas d'ouvrir les yeux, il faut d'abord ouvrir son cœur.